Ouais, shalom, shalom. Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Il est pratiquement bientôt 18h, les 18h, heure de la France, de Paris. Voilà, 18h10, je reçois beaucoup de l'été. Les enfants spirituels qui ont vraiment un témoignage pathétique. Surtout mon fils Meïté qui a un témoignage pathétique de notre rencontre. C'est quelqu'un qui s'est rendu à Divo. Et vous rendrez la suite, vous donnerez la suite de l'espace de ce témoignage. Elle vous dit que la rencontre avec son père spirituel que je suis, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans sa vie, qu'il n'aimerait pas taire, c'est taire là-dessus. Il aimerait partager avec tout le monde. Voilà, il aimerait partager avec tout le monde. On va juste l'écouter. Monsieur, voici mon fils Médé, il sort. Voilà, ça le pousse, voilà, son venu me recevoir. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, c'est vraiment très important de rendre visite à son père spirituel. Voilà, il s'est mis à ma disposition. Il a vacances, il a dit, mais il faut qu'il conduise son père spirituel. Merci aussi. Parce que là, il pouvait aller, que rester ensemble, décide. Voilà, donc c'est vraiment, merci à ce couple-là. Et j'en profite pour dire merci aussi à tout le monde, ceux qui essaient aussi de nous apporter leur soutien. Voilà, donc, je vais rendre ton témoignage. Vraiment, bonjour. C'est un grand jour pour moi aujourd'hui. Et papa est là aujourd'hui à Paris avec nous. Je pense que vraiment c'est un grand plaisir pour moi et tout pour ma famille. Parce que sincèrement, je me présente, je m'appelle Meïté Amadou. Je suis ivoirien. Je suis à Paris ici. Où viens d'où? Je viens de Cani. Cani. Voilà. Je suis au département de Séguéla, je suis de Cani. Beaucoup de gens qui me connaissent beaucoup ici à Paris ici, beaucoup de gens me connaissent. Par les voies de l'association et tout ça, beaucoup de gens me connaissent. Effectivement, moi aussi j'avais des soucis, j'avais fait demande de naturalisation ici. Et chaque fois, ils me rejetaient. Donc, je ne comprends pas. Ça dit qu'il devait avoir son nationalité française. Il a introduit tous les papiers, n'est-ce pas? Pas de suite, on annulait, on rejetait le dossier. On rejetait le dossier à chaque fois quand je refais tous les papiers qu'il me demande, je mets ça, j'envoie, on me rejetait. On me dit non, c'est pas possible. Et on me dit autre chose. Et effectivement, j'ai entendu parler du papa. J'ai pris mes vacances spécialement pour ça. Je suis parti jusqu'à Côte d'Ivoire, jusqu'à Divo. Quand tu as dit bon, aller croiser papa, je lui ai expliqué mon problème. Papa il m'a dit, il va faire une prière dessus. Je lui ai dit que effectivement, dès mon retour de Paris, ça dit que ça n'a même pas fait un mois, j'ai reçu un courrier tout de suite que ma demande a été accordée. Vraiment, c'est une grâce. Sincèrement, je fais un appel à tous ceux qui sont réticents. Ça dit que c'est question de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné. On doit vraiment s'approprier. Vraiment, moi je demande à tout le monde, à tous nos frères, Dula, Koyaga, tout le monde, sans distinction, tous ceux qui sont de chez moi, de Kani, Séguéla, Makono, tout, venez croiser. Au Djenéka aussi. Au Djené, tout, Mongou, tout bas. Mais pas dans Dula. Tout le monde, Bébé Anna. Bébé Anna, papa croisé. Sincèrement, je vous dis. Pas l'angoula. Voilà. Donc. Pas le canicule. Ni on le fait la nana. À Béana. Ça dit que à la terre, on se met de la bébé. À l'aéro du Côte d'Ivoire. C'est pour qu'un cas qui brûle là. Religion côté, il y a mon bébé de l'eau. Chama côté, chrétien côté. C'est Allah est l'analyse pour toute l'humanité. C'est pour toute l'humanité. Donc, on bébé l'état qu'on a. Mais le problème, le don bébé Kabouna, c'est que tout un chacun a des problèmes. Voilà. Le problème, le bébé Kabouna. Donc, nous, le voilà. Béana, papa croisé. Vraiment, il y a même voilà où le voit maintenant. Aka la couche, Anna. On bébé le problème, toi, lui. Donc on est voilà au levé. Vraiment, en tout cas, mais après il y a ici Mengene. Voilà, ici Mengene. Alhamdulillah, Rabbi Amine. Nana Menge. Alimang, c'est le problème qui n'y a pas. Le problème, si c'est ma colère.
La tra. Ah non, faut qu'on dit ma connerie. Donc, je m'en vais pas mon nom dans le chien. Mais que nous voulons, on le voit la nuit. Voilà. Il est même voilà, on le voit. Voilà, donc, voici son témoignage, c'est pathétique. Je tenais à signifier que c'est un frère musulman. Voilà, c'est. J'ai entendu parler du ministère. Voilà, ce ministère qui est spécialisé dans le domaine de la destruction des œuvres de la sorcellerie. Et ce bien-aimé n'a pas tardé de venir à Divo. Il a pris ses congés, il est arrivé à Divo. Et que le Seigneur se manifeste dans sa vie. Il m'a rencontré, je me souviens. Nous avons échangé. Je lui ai imposé les mains pour briser tout obstacle, cette présence satanique qui l'empêchait d'avoir ses papiers ici en France. Et surtout sa nationalisation française. Et dès qu'on a prié pour lui, il est rentré, les hommes ont poursuivi, il a eu la sa nationalité. C'est pour ça que depuis que je suis ici, c'est vraiment, il a mon petit soin. Je tenais aussi à dire merci au Seigneur pour ce grand miracle qu'il fait. Et justement d'avoir la foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un grand programme à Béthi Sicène à partir, n'est-ce pas, de samedi, vendredi 27 et samedi 28. Donc c'est 2 jours sur Paris, ne manque pas, tu es musulman, tu es doula. N'est-ce pas, tu es sénégalais, tu es tchadien, toute la diaspora, tout le monde. Ce n'est pas une question d'enfants spirituels, mais tous ceux qui ont des problèmes, des papiers, tous ceux qui ont des problèmes de cancer, des maladies incurables, ne ratez pas ce programme. Jésus-Christ aura l'occasion de vous guérir et de vous restaurer. Shalom. À très bientôt.